La toute première assemblée générale extraordinaire pour l'année 2023 de la Fédération de Kumasi a eu lieu le dimanche 15 janvier à Kumasi. Une assemblée générale extraordinaire ouverte par les vœux du nouvel an du coordonnateur régional d'Abidjan Sud, Kouan Noël, l'invité spécial. La visite du président Laurent Gbagbo à Payota le 28 janvier 2023, l'inhumation de Maître Barouan le 15 janvier et la nouvelle de prorogation jusqu'au 28 février 2023 de l'élection des secrétaires généraux de section sont les informations partagées avec les militants. La fédération de Kumasi est subdivisée en 14 sections, 126 bases dont 122 installées. Une dynamique qu'elle compte garder. Pour rapprocher les structures aux militants, nous avons décidé de scinder les deux sections qui ont un plus grand nombre de comités de base. Voilà, la section Tizra est scindée à deux sections. Et la section Espoir 1, 16 bases, est scindée en deux sections. Ce qui fera au total 5 sections pour la Fédération de Kumasi. Les élections des nouveaux secrétaires généraux de section dans la commune de Kumasi auront lieu le 28 et le 29 janvier 2023.